Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour suivre ce débat. Un débat majeur, puisqu'il va aborder la question de l'organisation du trafic aérien long courrier au cours des, des prochaines années. Un débat qui va donc aborder pardon, la question de l'évolution des comportements des passagers, mais aussi l'évolution des stratégies de réseau des compagnies aériennes. Des stratégies qui, elles-mêmes, dicteront les politiques de flotte des transporteurs. Au cours des 15 dernières années qui ont précédé la crise sanitaire, les vols dits de point à point se sont multipliés, donnant raison à Boeing dans son, dans son match un peu des prévisions euh, par rapport à Airbus, qui prévoyait une concentration euh, du trafic euh, entre les gros hubs. Demain, les changements de comportement des passagers et plus précisément de la clientèle à faire, qui est centrale dans les stratégies de, de réseau des compagnies aériennes et donc de flotte, pourraient modifier la donne. Hub ou point à point Quel modèle et quels avions pour demain C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Rocher, directeur général d'Air Caraïbes et PDG de French Bee. Bonjour Marc Rocher. Bonjour. Euh, Eric Schulz à ma droite, président de CHS Consulting, j'ai toujours du, du mal à le dire. Et Pierre Velay, ancien directeur de, de la Flotte d'Air France, et aujourd'hui président je New and voilà, du New and Next. Eric Schulz, la première question sera pour vous. Avant la crise, le point à point ne cessait de se développer. Le monde d'après sera-t-il le monde d'avant C'est-à-dire, la tendance va-t-elle reprendre ou pas après la crise sanitaire Bonjour, merci. Je pense que tout d'abord, il va y avoir une reprise dissymétrique du transport aérien entre le moyen courrier domestique et puis la partie long courrier. Autant je vois un redémarrage du moyen courrier relativement rapide, notamment avec des zones qui seront relativement homogènes. Comme elles le sont, elles commencent à l'être aujourd'hui en matière de, de, de conditions sanitaires. Autant le long courrier, je le vois impacté pour beaucoup plus longtemps. Et en parallèle de tout ça, je pense que le trafic va changer d'une manière relativement définitive, au moins pour le long courrier, où l'influence du trafic à faire. Qui est énorme sur le, sur, sur, le, sur le transport, puisque le trafic à faire représente en gros 20% de la capacité, 60 à 65% du chiffre d'affaires et à peu près 95 à 99% des marges. Je pense que ce trafic-là va être impacté pour une beaucoup plus longue durée que les autres trafics. Et donc, dès lors, va recréer des conditions dissymétriques sur la reprise du trafic et de ce fait-là, impacter ce que les évolutions qu'on a pu voir au cours des, des 10-15 dernières années, c'est-à-dire l'essor du point-à-point -point par rapport au hub. D'accord, donc c'est un peu la revanche du hub Je pense que ça va être un petit peu la revanche du hub, parce qu'en termes économiques, pour une compagnie aérienne, le trafic point-à-point -point est un trafic difficile. Il est beaucoup moins résilient sur la partie business que ne l'est le trafic hub. Et donc à partir du moment où on aurait une inflexion... Euh, du trafic euh, business d'une manière non équilibrée par rapport au reste des trafics, je pense qu'il y a beaucoup de points à point qui deviendra non compétitif et dès lors, de mon point de vue, disparaîtra au profit du trafic hub qui sera desservi par, euh, euh, par, par en fait des correspondances. Par crochet, est-ce que vous partagez l'analyse Est-ce que euh, ce, le hub va, va ressortir renforcé de, de cette crise ou ce sera l'inverse bon, Histoire d'animer le débat... Euh, je vais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, mon ami Eric, que je salue évidemment. Euh, pour les raisons suivantes, euh, cette crise a quand même euh, beaucoup changé les choses. On va parvenir sur ses conséquences, sur son ampleur. Mais euh, on peut quand même euh, anticiper et quelques tendances. Euh, la première chose, je pense, qui va ressortir de cette crise, c'est que prendre l'avion n'est pas facile, ne sera pas facile. Euh, regardez aujourd'hui les contraintes réglementaires, les contraintes opérationnelles, les contraintes de sûreté, les contraintes de sécurité, les contraintes euh, maintenant sanitaires qui viennent s'ajouter à tout ça fait que prendre l'avion, euh, par exemple, pour aller de, de Marseille à Paris et, et de Paris à New York, euh, ça va devenir une épreuve et une épreuve plus qu'avant. Alors, comme l'a fait Eric, il y a quand même deux mondes. Il y a le monde euh, du trafic court et moyen courrier. Et là, je pense que compte tenu de tout un tas de raisons pour celles qui sont connues ou celles qui sont en cours d'évolution, euh, les hubs ont perdu la manche. Euh, les compagnies low cost, les compagnies low cost à réseau maillé, je précise bien ça, parce que compagnie low cost à réseau baril centré, c'est pas une compagnie low cost, mais les compagnies low cost à réseau maillé, on le voit bien sur toute l'Europe elles vont prendre du trafic point à point sans passer par une, une ville ou un aéroport et, et vont être les grands gagnants grâce à leur flexibilité, à leur capacité de s'adapter. Dès qu'il y a une source de trafic, ils vont mettre un avion, ça sera pour trois mois, ça sera pour trois ans, ils s'adapteront très vite. Et donc sur le moyen courrier les hubs vont souffrir beaucoup. Alors reste après le long courrier, où c'est plus compliqué, parce que les nombres de routes concernées, les nombres de connexions euh, sont, sont, sont beaucoup moins nombreuses. Et, et là, j'aurais tendance à dire que les hubs vont garder une partie de leur efficacité, mais un hub, ça coûte très cher, très cher. Quand vous avez un hub avec cinq plages horaires dans la journée, cinq waves, comme disent nos amis anglo-saxons, ça suppose une débauche de moyens humains, de moyens matériels, de kilomètres carrés, d'aérogars, de jetway et tout, qui est considérable. Et tout ce qui va augmenter les coûts du transport aérien après cette crise va être très pénalisant. Donc euh, oui, il y aura encore du hub long, euh, long courrier. Clairement, euh, long courrier, long courrier. On verra ce que diront les compagnies du Golfe. Euh, moyen courrier, long courrier. Il va falloir convaincre les passagers que c'est facile, que ce n'est pas source de d'infection, de, de pollution, de, de, de temps perdu dans des formalités administratives très complexes et peu lisibles. Et donc, je pense que le point à point long courrier euh, sera, à mon avis, porté par ces raisons là quand, il, quand les trafics le justifient. Euh, ce n'est pas le cas partout, soyons clairs, Eric a raison là-dessus. Et deuxièmement, euh, je pense aussi que euh, la connectivité intermodale va beaucoup jouer. Euh, je reprends mon exemple, entre Marseille, CDG, CDG New York, euh, en avion, avec toute la complexité que l'on va vivre dans les mois, les années qui viennent, et un Marseille-aéroport euh, euh, parisien en TGV et une connexion intermodale efficace, euh, on va avoir des choses intéressantes. La connexion intermodale aujourd'hui n'est est loin d'être idéale quand même. Oh non, mais la connexion intermodale, alors il y a des pays où elle s'est développée depuis de nombreuses années. On cite toujours l'exemple de, de la Suisse et d'autres choses. Bon, pour l'instant, on est dans le blabla de l'intermodal. Ça fait plaisir de dire qu'il faut faire attention à l'écologie, au transport, à ceci, cela. Bon, il suffit de prendre une fois un TGV de connecteur d'avion pour voir que c'est une épreuve difficile, que c'est un parcours encore complexe. Il y a beaucoup de choses à simplifier facilement. Ça ne demande pas des investissements colossaux, euh, mais je pense que l'intermodal va beaucoup se développer et prendra donc du trafic moyen courrier, long courrier au grand hub. Pierre Velay, quel regard portez vous sur, euh, sur Alors, ce débat? Bon, là, beaucoup de choses viennent d'être dites. Je pense que l'un des éléments de cette crise, c'est cette crise sanitaire dont, dont on parle aujourd'hui. Euh, elle a suivi aussi une autre crise qui est une crise technologique, une crise réglementaire et le tout sur un tropisme écologique qui a semé le trouble déjà depuis plusieurs années. Donc la reprise du trafic aujourd'hui doit se refaire en fonction des besoins effectifs de mobilité d'un certain nombre de gens. Quand on parle de point-à-point, point, je pense qu'il faut distinguer le point-à-point point sur du réseau court du point-à-point point sur du réseau intra-européen et puis aussi du point-à-point point quand il s'agit de faire du hub feeding, c'est-à-dire de remplir les avions long-courriers. Le, quand on fait du, du vol en connexion, du vol court en, en connexion, le vol court est subventionné par la recette du long courrier. Et je pense que la, la faiblesse actuelle du long courrier risque de mettre en péril une partie de cette activité, surtout quand dans certains cas, il y a une concurrence forcée avec les moyens euh, ferroviaires. Concernant le, la, la reprise, je pense que je, je suis d'accord sur le fait qu'elle sera d'abord sur le, sur le court avant d'être sur le long. Les problèmes sanitaires et géopolitiques sur le long sont plus difficiles à résoudre que sur le court. À tout cela va s'ajouter un fait c'est que quand il y aura reprise, aujourd'hui on a des avions qui sont au sol. On a des avions au sol parce qu'ils ont été groundés alors qu'ils étaient en opération. On a des avions qui sont au sol parce qu'ils n'ont pas été livrés. Et puis on a des avions qui sont au sol parce qu'ils sont en attente d'un client alors qu'ils ont été construits. Donc, tout ceci va devoir être remis au clair. Et je pense que ça, il y a un gros enjeu aussi, où le mot écologie systématique devrait être remplacé par le mot économie pour essayer de savoir où se trouve l'optimum économique dans le jeu de la reprise. Marc Rocher, avec euh, ou après une telle crise sanitaire, les, les passagers ne risquent-ils pas d'éviter les hubs, justement euh, considérés comme bondés euh, et mélangeant des, des voyageurs de, provenant de, de plusieurs zones géographiques on va bien au-delà de cette simple question. Bon, là aujourd'hui, en ce moment, donc euh, sur le 7 fin juin 2021, on sort du troisième déconfinement. Je parle pour la France et pour l'Europe en général. On a appris des choses pendant ces déconfinements. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une, une certaine reprise. Soyons clairs, il faut être optimiste, il faut y croire. Euh, mais cette reprise, elle est très fragmentée. Euh, Ce n'est pas la même chose. Les comportements sont pas les mêmes pour les clientèles, on va dire affinitaires, VFR, hein, visite free and zone relative familiale, clientèle touristique pas le même comportement, clientèle-business, on a déjà parlé, comportement, on verra même plus tard. Euh, donc, euh, on, on voit bien que selon les régions du monde, selon les destinations, selon euh, euh, les, les capacités d'hébergement en propre ou système hôtelier ou club de vacances, on n'a pas du tout les mêmes euh, euh, types de réactions de la part de la clientèle. Alors oui, il y a eu un, un feu de paille, il y en a un. Est-ce que ce vote de paille va durer on va, À mon avis, vers le 15 juillet, on sera déjà fixé, parce que par exemple on vend beaucoup, comme toutes les compagnies. Air Caraïbes a fait de très bons scores ces dernières semaines, mais on vend sur juillet, août, on ne vend pas sur septembre, octobre, novembre, et ainsi de suite. Et on sait bien que les touristes, il leur faut du temps pour réagir. Les familles, il n'y a pas de problème. Vous avez votre famille qui vous attend à l'autre bout de la planète, vous y allez la voir, c'est assez naturel. Donc, c'est des comportements très différenciés. Et dans ces comportements, un des freins majeurs aujourd'hui, c'est la complexité, le peu de lisibilité des mesures sanitaires. Honnêtement, euh, ouvrez un site internet, celui que vous voulez, .gouv.fr, euh, site de nos concurrents, site de nos compagnies. C'est quand même très compliqué de comprendre ce qu'il faut faire pour aller de Paris à la Réunion. Ce n'est pas la même chose que pour aller de Paris à Martinique ou de Guadeloupe à Paris. Donc, ça change tout le temps en plus. Et donc, c'est clair que dans ce contexte là, les gens préfèrent le vol direct, le point à point et que passer dans des hubs, quels qu'ils soient organisés ou pas, c'est un frein. Alors, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, il va falloir les remplir, les avions concours, euh, long courrier. Donc il va falloir baisser les prix. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. Euh, et donc l'économie va être difficile, très difficile. Euh, je pense que... Euh une de nos missions à tous, collectivement, ça sera d'essayer de simplifier la vie des clients dans les aéroports. Dans les avions, c'est assez simple. On sait que l'avion, ça ne contamine pas. Maintenant, tout le monde en a à peu près conscience. Au sol, c'est différent. Et plus c'est compliqué, plus ça sera difficile pour les clients de revenir fréquenter les vols. Ils reviendront, il n'y a pas de doute. Enfin, moi, je n'en ai pas, en tout cas. Maintenant, comment Je ne sais pas le dire. Eric Schulz vous pensez, vous avez abordé la question du renforcement des hubs. Euh, justement, cette question, cette problématique sanitaire où les gens sont regroupés, est-ce que ça peut aller à l'encontre de ce que vous dites et, que, et pousser les, les passagers à, à préférer les, les vols pour un point C'est un peu le, le discours d'Airbus. Hein. Oui, moi je ne crois pas. Moi je pense qu'il y a le critère économique à un moment donné va finir par payer. Euh, encore une fois, le trafic business euh, pour les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, on voit, euh, je dirais, la. Le, le, le peu d'appétit à envoyer des cadres à l'autre bout de la planète. Et donc, ça, ça va avoir une influence majeure sur le transport aérien. Je veux dire, le transport aérien, il vit d'une manière, comme je le disais précédemment, dissymétrique euh, au sujet. Je parle du long courrier, bien mmh. entendu. Je suis d'accord avec, d'ailleurs, la remarque de Marc sur le point à point moyen courrier, mais ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était sur l'international long courrier. Long courrier. Euh, et et donc, donc, je pense qu'on va rester dans ce, dans ce, dans ce phénomène-là. Et je pense qu'à la fin... Euh, Marc l'a aussi très bien dit, il y aura un problème économique, et le problème économique, à la fin, il est que le coût au siège est forcément plus bas avec des avions plus gros et mieux remplis. Dire, ça euh, sur sur l'international long courrier, il n'y a pas d'autre échappatoire dès lors qu'on rentre dans une guerre tarifaire que de remplir des gros porteurs. Pierre Vellet, avec tout ce qui, ce qui se dit sur l'analyse la, de, des comportements de, de la clientèle, quels avions devraient tirer leur épingle du jeu, selon vous sur le long-courrier, les très gros porteurs, les... J'évoquais les... tout à l'heure les, les interrogations sur euh, les avions de la relève. Aujourd'hui, sur le long-courrier, que ce soit Airbus ou Boeing, les gammes d'avions long-courrier ont été euh, lancées. Les avions sont livrés. On retrouve le, le 787 et le 777X du côté Boeing. On retrouve le 350 avec ses deux belles versions en 900 et en 1000. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce modèle, ces modèles seront relativement stabilisés. Je n'évoque pas les, les produits dérivés avec les versions cargo. Je parle vraiment passager. Maintenant, sur, sur ces modèles et dans le, dans le futur, je vais se poser une question où le, le rôle de et l'impact de la clientèle euh, haute contribution est important, c'est sur le jeu de la fréquence. On sait dans les compagnies que pour euh, attraper la haute, la haute contribution, il faut de la fréquence. Et pour avoir de la fréquence, il faut plutôt des avions plus petits. Donc va se poser ce, ce dilemme. Faut-il des avions plus petits et jouer la fréquence, ou faut-il des avions plus gros et jouer les coûts, sachant qu'il y a un risque d'affaiblissement du marché et du business Ça, c'est pour le long courrier. Sur le moyen courrier, le, le débat est très très particulier. Le débat, il est euh, aux deux frontières. Le moyen courrier aujourd'hui avait deux frontières une frontière à 100 passagers, une frontière à 200 passagers. Entre, entre les, en dessous de 200, au-dessus de 200, on était dans le wide body, long range. En dessous, on était dans le dans le court courrier euh, narrow body. Et puis l'autre frontière était la frontière avec le régional. Et on a vu le système qui s'est chamboulé parce que l'économie du régional est dure à tenir avec les jets. Il y a un nouvel entrant avec la 220 qui montre que entre 120 et 140 passagers, il y a un besoin. Est-ce le bon avion sur une technologie telle que celle-ci Et après, on a cet énorme besoin d'avions de renouvellement, entre 140 et 200, 220. Pourquoi Parce qu'on va se retrouver simultanément avec un besoin d'introduction technologique majeur. On ne peut pas se contenter uniquement d'avoir des, des moteurs nouveaux. Il faut aussi qu'on ait des cellules plus performantes, une aérodynamique plus performante, des systèmes globaux qui soient beaucoup plus intégrés, ce que j'appelle la synergie et une synergie cohérente. Or aujourd'hui, elle n'existe pas. Et puis ensuite, il y a cette, cette situation très très particulière qui s'appelle... 757 Replacement, c'est euh, quid de cet avion monocouloir de la taille du 757, qui n'était pas un court courrier, qui n'était pas un long courrier, qui avait une position très particulière. Et avec le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, mais pour combien de temps, il a engendré une sorte de besoin qui est assuré, dont la couverture est assurée par la 321 XLR. Et donc ça, combien de temps ça pourra tenir Cet avion est-il un investissement de long terme Comment se feront les réintroductions d'avions long-courriers sur cette gamme entre 200 et 250 L'avenir nous le dira, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Justement, vous avez dit que l'effet fréquence était très important, donc générer l'utilisation d'avions plus petits. Est-ce que l'A321LR et XLR est, sont des possibilités Qu'est-ce que vous pensez de ces types d'avions, sachant qu'il y a eu euh, des critiques déjà dans le passé concernant ces monocouloirs sur des longs courriers alors, le, le, le problème du monocouloir, c'est euh, la circulation à bord de l'avion, c'est le confort à bord de l'avion, tout dépend comment ils sont d'aménagement. On a vu qu'il existait, et les marques en ont un bel exemple, où on peut réussir avec ce genre d'avion dans une configuration, sur un marché spécifique. De façon générale, euh, je pense qu'il va se, se poser un problème. Aujourd'hui, sur la gestion du moyen courrier, court moyen courrier, ça appartient à une population particulière en matière d'entretien, en matière de personnel navigant, commercial et technique, et en matière de configuration cabine. À partir du moment où on va utiliser certains de ces appareils pour en faire du pseudo long courrier, on va devoir les aménager différemment, que ce soit la vidéo, les galets, toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que ces aménagements additionnels vont altérer la valeur résiduelle de l'avion en lui bouchant à terme la réutilisation en avion court courrier. Donc, je pense qu'il y a un véritable une issue, comme diraient les, les Anglais en termes d'asset de, de management concernant ces avions. Donc, tout dépend de leur succès et pour combien de temps. Mais je pense qu'il y a un risque. Eric Schulz, justement, est-ce que les ventes d'A321LR et XLR euh, ne traduisent pas justement une appétence pour le, le point à point et, et valent en compte de ce que vous dites sur le, sur le hub alors je crois pas. Tout d'abord, il y a pour moi le marché du, du 321 euh, XLR entre autres LR XLR. Euh, il répond à deux, deux, deux principales demandes. La première, c'est une demande de remplacement de 757 euh, sur des lignes secondaires, euh, sur lequel le 757 a prouvé au, 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 lors des, des, des deux dernières décennies euh, une utilisation. Alors je méfie du terme long courrier parce qu'on est quand même plus sur du moyen courrier plus. Que sur du vrai long courrier. Alors, quand je parle de moyen courrier plus, je parle de l'Atlantique Nord. Mais on ne peut pas comparer un avion qui fait 4000 ou 5000 nautiques de range avec un avion qui en fait 8000. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes catégories. Il n'empêche quand même que donc, ce marché-là de remplacement du 757, aujourd'hui, il y a un siège vide, clairement. Euh, il y avait un trou. Euh, depuis l'abandon de production du 757, qui remonte aux années 2010, euh, ce marché-là n'a pas été remplacé, mais par contre, comme il y avait énormément d'avions délivrés, hein, il, y a, euh, il y a en gros 800-850 avions construits qui étaient globalement à peu près tous encore en exploitation. Donc il y a un vrai marché de remplacement pour ce, pour ce marché-là. Il y a un deuxième marché qui est intéressant pour le, le 321 euh, avec un rayon d'action un peu plus euh, performant, euh, qui sont notamment les compagnies low-cost. Il y a énormément de compagnies low-cost qui ont toujours été tentées par le long courrier ou par le plus long courrier. Euh, mais qui se sont résolus à ne pas le faire pour justement ne pas brouiller les cartes dans leur recherche de simplicité et de flexibilité qui était liée à, à utiliser des, des flottes qui étaient quand même relativement euh, euh, single, comme on dit. Et donc, l'avantage pour ces compagnies-là, c'est aujourd'hui elles vont disposer d'un avion qui rentre parfaitement dans leur logique de flotte. Et je suis d'accord avec Pierre, à l'exception de l'asset management, parce que ce sont des versions particulières qui ne seront pas né nécessairement Retrans, Retransposable à de l'utilisation normale, mais par contre, en termes d'économie de flotte, économie de secteur PN, économie d'entretien, c'est des avions qui sont parfaitement mixables avec les flottes actuelles. Donc on voit bien que ce, ce, cet avion-là, il bénéficie de deux secteurs de marché qui sont assez radicalement différents. Ce marché de remplacement du 757 qui est d'abord avant tout un marché de ce qu'on appelle les legacy, c'est-à-dire c'est des, des compagnies notamment transatlantiques, mais pas uniquement. Il y a aussi le trans maintenant qui commence à se développer quand même assez, assez violemment. Et deuxièmement, ça permet à des compagnies low cost d'aller plus loin, de pouvoir concurrencer des compagnies dites legacy sur des plus longues distances et donc par conséquent de créer le, 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 développe, le développement de marché. Donc je ne pense pas que ça soit complètement, euh, je dirais, antinomique de penser que le 321 XLR a un bon développement devant lui, alors même que le marché point à point va avoir tendance à souffrir. Je ne pense pas que ce soit antinomique. Et quels avions vont tirer leur épingle du jeu alors selon vous alors, sur... Pour moi, je, je reprends les termes de, de Pierre, mais si on commence tout en bas, je pense que d'abord je pense que la 220 a. a sur a, le long courrier, a, le long courrier. A, si, on, si on parle long courrier, bon clairement les avions aujourd'hui en présence. 787 à 350, 350-1000, euh, enfin la famille 787 et puis ensuite jusqu'au 777-9. Je pense que ces avions-là sont des avions modernes, ils ont des capacités économiques qui sont excellentes et je pense que tous ces avions-là vont bien se débrouiller dans le futur. Je pense par contre que euh, les compagnies ont probablement trop commandé, je dirais, de, 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 de moyennes capacités long courrier, notamment du 787-9, et qu'à un moment ou à un autre, de mon point de vue, on va voir. Quelque part, un, un rééquilibrage dans les capacités. Et moi, je pense que le 350-1000 et le 777-9 vont tirer leur épingle du jeu parce qu'on a besoin, on voit, que la crise Covid a obligé des avions de très forte capacité à être euh, remplacés le 380, le 340-600, le 747. Et donc, on, on voit bien qu'aujourd'hui, si on reprend les capacités que nous avions post pré-covid et on regarde aujourd'hui les avions qui vont être ou qui ont été déjà retirés du marché. On voit bien qu'on a un trou de capacité. Et donc de mon point de vue, on va revoir un refasage sur les commandes nouvelles et je n'exclus pas d'ailleurs que des compagnies aériennes dont celles avec lesquelles je discute tentent de rééquilibrer un peu leurs commandes pour diminuer un tout petit peu leur commande de, moyen, de, de moyenne capacité gros porteur vers des avions de plus forte capacité. Un certain nombre de, de lignes long-courrier de point à point étaient assurées en 787. Si ce que vous dites devait arriver, est-ce que ce modèle... Euh, pourrait être, euh, alors je ne vais pas dire menacé, mais engendrer moins de, moins de commandes Non, les avions seront redéployés, comme, comme l'a très bien dit Pierre, mais il y a des avions là-dedans. Vous prenez un 787-8, d'ailleurs, je note au passage que Boeing avait déjà anticipé largement ça, puisque le-8 n'est plus en production, mais cet avion-là, qui a été quand même le premier 787 à voler, on voit bien les, les limites, je dirais, d'un avion de moyenne capacité à déployer sur des très très fortes distances du style du 8000 nautiques. Et on a bien vu que Boeing, malgré je dirais la construction du 787-8 l'a finalement abandonné au profit du 787-9 qui propose 30 à 40 sièges de plus parce que l'économie est là et je pense que ce phénomène là va, va s'amplifier. Marc Rocher, donc Pierre Volet l'a dit, vous avez connu le 757 avec l'avion, donc avec une version un peu spéciale puisque c'était une version 100% classe à faire avec beaucoup moins de sièges que sur une version classique. Qu'est-ce que vous pensez de, des monocouloirs sur le long courrier Sujet délicat, euh, sans doute passionnel. Sur le long courrier, je suis pas un grand fan euh, du monocouloir, euh, parce que sur du long courrier, il y aura une demande, on le voit bien à travers les 787 et les A350, il euh, y a une vraie demande de plus de confort de la part des clients. Alors le confort. On sait tous que ça a un prix au mètre carré et on retombe sur l'économie. On peut payer le confort que l'on veut à condition d'être capable de le financer. Mais la pressurisation, le moins de vibrations, moins de bruit, un air encore plus filtré sont des éléments importants. Et je crois que le, 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 le double couloir a cet avantage de donner une impression visuelle pendant 8 heures, 9 heures d'un confort accru. Et deuxième chose, je rappelle que le double couloir va... <laughs> Parce que les fuselages sont et resteront mécaniquement sans doute cylindriques pour longtemps, avec des capacités soutes importantes. hors le fret, le cargo, sur les avions passagers, c'est un élément très important de la recette, comme l'a prouvé le, euh, le 777-300, euh, les A350 aujourd'hui et tout. Donc, je suis plutôt euh, 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 quelqu'un de convaincu par la notion de bicouloir. Évidemment, l'épreuve les, les est difficile. Je rappelle que le 757, d'ailleurs, n'était pas une Variation du 737 dans son esprit, c'était le petit frère du 767. Les avions avaient les mêmes systèmes, avaient été conçus quasiment avant, euh, de la même façon, d'une façon cohérente. Et, et d'ailleurs, je pense que Boeing a longtemps regretté d'avoir arrêté un peu tôt le 757. Mais bon, c'est une autre histoire, elle est derrière nous. Euh, je crois qu'il faut un nouvel avion. Euh, effectivement, comme l'a dit Pierre et comme l'a dit Eric, euh, des avions dans les capacités 220-250, véritable en courrier. Parce que, bon, bien sûr, qu'on peut faire Paris-New York, mais on sait bien que c'est quand même très limite, avec des ATC, des météos parfois complexes. Il faut être capable d'aller un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à 8000 nautiques Je ne sais pas. Mais il faut être capable de traverser l'Atlantique sans problème. Je parle pour notre monde à nous. Le monde européen, c'est différent, évidemment. Mais en Amérique latine et tout, on retrouve les mêmes distances. Je pense qu'il faut un avion qui consomme moins. Donc, c'est un avion. Carbone-carbone. Quand je dis carbone-carbone, ça veut dire fuselage carbone et le carbone. Euh, donc euh, il y a beaucoup de travail sur la planche des ingénieurs et puis il faut lui trouver le moteur euh, adéquat. Bon, Aujourd'hui, ce moteur euh, ne voit pas très bien hein, quand même. Alors il y a, il y a des moteurs euh, très performants sur le marché, soit en fin de, de génération, soit en début de nouveau cycle. Euh, mais il faut trouver un moteur pour cet avion ça, ça sera une partie difficile mais on voit bien où se dessine l'avion idéal. Alors, qui sera capable de le concevoir Mais ça n'enlèvera rien aux ventes de, 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 de 321 ou, ou de Max 10 ou autres. Parce que, comme ça a été dit, il y a des opérateurs qui cherchent des Il y a des opérateurs qui ont des réseaux quand même pas très, très grands. Ils veulent rester dans leur zone. Ils veulent la communauté équipage, point fondamental d'économie. Donc, c'est deux choses différentes. Oui, il faudra remplacer le 787. Le challenge est très difficile. Quels avions, donc selon vous, vont tirer leur épingle du jeu vous, vous êtes quand même très gros porteur avec le 350 000 dans votre flotte. Est-ce que c'est c'est vraiment les très gros porteurs qui vont l'emporter, selon vous Alors les très très gros porteurs, non. Euh, parce que ça suppose d'autres problèmes. Euh, mais euh, je, je pense que 000. le marché euh, est drivé aussi par et fondamentalement par l'économie. Euh, Aujourd'hui, avec quel avion long courrier vous pouvez faire de l'argent? Vous pouvez faire de l'avion, de l'argent avec trois gros porteurs long courrier. Aujourd'hui, euh, la famille des 777 300 ER, je précise hein, pas, pas les 200. Difficile, alors, même si. Dans les déserts du monde entier, il y en a beaucoup de stockés, comme d'autres avions. Vous avez les 350 et le 787. Ça, vous pouvez faire de l'argent avec. Au-dessus, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je souhaite bonne vie au 777 nouvelle génération, le 9 et le 10X. Mais ça va être compliqué. Donc, nous, on est très content d'avoir choisi la 350 dans ces deux versions. Pierre Velay, est-ce que vous partagez l'avis de m'accrocher, notamment sur le 777-9X alors, de... je répondrai à cette question. Préalablement, les deux échanges entre Eric et Marc mettent en évidence une chose. c'est on, on connaît en termes de besoin de rayons d'action ce dont on a besoin entre 150 et 200. On connaît le on très collectif, ce dont on a besoin en avion long-courrier capable de faire entre 6 et 7000 nautiques et entre 250 et 400 pax. Et il y a cette espèce de trou très étrange. Euh, qui est un trou qui s'appelle qui euh, le remplacement du 757, mais qui s'appelle euh, aussi euh, rempl euh, entrée de flotte, euh, long courrier d'entrée de flotte. Et celui-là, il est important. Il a été assuré dans le temps par le 737, puis par le, le 330, plus ou moins par le 787-8 et, et plus ensuite, parce qu'il faut faire ouvrir de nouvelles fréquences, ouvrir de nouvelles routes, la saisonnalité. Donc il y a un, il y a un manque. Mais comment définir ce manque aujourd'hui Boeing a tenté de faire une esquisse avec le NMA. Le, le résultat, on ne le connaît pas. En même temps, quand on parle du 321 XLR, le 321 XLR, il est intéressant au long courrier. Mais si on veut avoir libre circulation dans la cabine et être confortable, c'est plutôt en version dédensifiée, donc en version à faire, donc avec tous les risques qui sont aujourd'hui liés à la, à la version à faire. Alors, l'autre question concernant le, le 7779 fixe. Quand le 7779 fixe a été, a été ébauché, et je faisais partie. De l'équipe qui ébauchait cet avion, l'idée était euh, il existe le 777-300ER. Quelles sont les possibilités d'améliorer encore la performance du 300ER Et cette performance est offerte par une, une chose assez intéressante qui est la nouvelle aérodynamique de l'aile, la motorisation et le fait que euh, cet avion, ainsi reconstitué, avait une distance au décollage qui était plus courte. Et donc cette longueur de piste, en disant, mais que, que se passerait-il si on maintenait la longueur de piste au décollage identique à celle du 300 r de combien pourrions-nous stretcher cet avion Et donc il y a eu un débat à l'époque, dont, dont Air France, mais aussi euh, Emirates, pour savoir euh, fallait-il plus de rayons d'action, fallait-il plus de capacité. Et c'est une sorte d'optimum, de, de, pas de compromis, mais d'optimum qui, euh, qui a été choisi. Alors maintenant, le, le discours que, que l'on entend sur le 9X c est un discours que moi j'ai entendu sur le 777-300ER quand cet avion a été lancé, a été mis en service en mai 2004 avec beaucoup de, beaucoup de prudence, marché limité, etc. Maintenant, il y a 1000 avions qui volent. C'est un avion qui a été dérivé aussi en version cargo et de façon très efficace. L'intérêt de ces grands avions et je rejoins évidemment ce qui a été dit par Marc tout à l'heure, c'est que les avions gros porteurs dans le temps avaient des sections évolutives importantes 747 et 380, offrant très peu de charges additionnelles aux frettes. Or, les avions modernes, avec des fuselages cylindriques et une optimisation de l'utilisation des soutres, en particulier en n'ayant pas les coins repos dans la partie soute, donc dans une zone qui était commercialisable mais dans la partie supérieure du fuselage, ça libérait. Et donc on se retrouve avec des avions qui sont des quasi combis et quand on regarde que ce soit les 350 ou le 777 aujourd'hui avec la possibilité de transporter jusqu'à 30 tonnes de cargo, nous avons affaire à des combis. Donc c'est une véritable activité additionnelle. Je pense qu'en plus de surdéveloppement du e-commerce va remplir ces soutes et qu'il est intéressant de remplir des soutes d'avions de cette taille-là. Le, le 380, euh, on ne sait pas encore définitivement quelle est le, la, la, la date du retrait et, et comment sera-t-il, se retirera-t-il Est-ce euh, que ce sera comme le 747 après X X dérivé Moi, je ne sais pas le dire. Je pense que le 350 000, le triple 9 x et le développement intérieur d'une version cargo du triple 7 euh, existeront et seront des succès. Mais un peu de patience. Personne ne parle du 330 Neo. Est-ce qu'une remotorisation sur le long courrier du coup euh, n'a pas beaucoup de chance euh, visiblement de percer, puisque personne n'en parle. Eric Schulz. Je pense que le 330 Neo. Je pense que le 330 Neo, c'est déjà une remotorisation. Et je pense qu'il y a des limites à la remotorisation qu'on peut faire. Aujourd'hui, il faut replacer le 330 Neo dans le contexte de la compétition à laquelle il fait face. Il fait face à un avion. Euh, D'abord avant tout le 787-9 euh, qui est un avion entièrement composite, qui est beaucoup beaucoup plus léger, euh, qui a un rayon d'action bien bien plus amélioré par rapport à, au 330 Neo. Et donc on voit bien, euh, aujourd'hui c'est en plus, le, je pense que le gros problème du 330 Neo c'est un avion qui est arrivé un petit peu trop tard. Euh, et donc s'il était arrivé plus tôt il y aurait de mon point de vue... C'est-à-dire que les chance. commandes ont été passées avant, c'est ça non, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, la décision de lancer le 330 Neo a été trop tardive, et de ce fait-là, le développement aidant, euh, le 330 Neo s'est retrouvé sur le marché à un moment où le 787 était déjà largement présent. Euh, et donc, le problème là-dedans, c'est que le, un grand grand nombre, pour pas dire toutes, les compagnies majeures avaient déjà opté sur le 787, mmh. alors qu'Airbus avait un, une position majeure dans quasiment toutes les compagnies aériennes du monde avec le 330, euh, 200 et 300. La suite logique aurait été pour beaucoup d'opérateurs de continuer avec du 3.30 pour éviter des coûts de transformation d'équipage, etc. Mais comme l'avion est arrivé un petit peu trop tard, toutes les compagnies majeures avaient déjà opté sur le, le 787, et je ne connais pas d'opérateur qui, ayant opté pour le 787, allait revenir en arrière après pour reprendre du 330neo, euh, qui est un avion un peu plus lourd parce que c'est un avion aluminium, parce que c'est une aile aluminium, et que donc par contre, par conséquent, en termes de performance, il est un petit peu à la traîne. Et donc. Je ne vois pas aujourd'hui l'utilité de, de remotoriser cet avion-là aujourd'hui, le 330neo, à la même motorisa motorisation que le 787. Donc en termes, je dirais d'économie, euh, à la différence près des deux, des deux constructeurs moteurs, G et Rolls sur le 787, alors que le 330neo est soleil source Rolls Royce. Mais je dirais la performance moteur n'est pas fondamentalement le point qui fait défaut au 330neo aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le marché a été très largement euh, euh, occupé par le 787 d'une part et par le 350 d'autre part. Et donc, ça laisse très peu d'espace pour le 330 Néo pour se développer. Et une nouvelle version de motorisation du 330 Neo me semble complètement et improbable et complètement mmh. impossible. C'était pas la question. Hein, D'accord. <laughs> Marco, oui. Pierre Velay, une, sur une le Néo. Une remarque concernant le. Concernant le, le 330 Néo. je pense que l'abandon du 350-800 a aussi eu un impact parce qu'il est venu percuter et dans les choix de flotte à l'époque, c'était important. Une autre remarque aussi, c'était l'homogénéité technologique et la remarque de la voilure carbone et du fuselage. Euh, je pense que demain, euh, la technologie des cellules devra vraisemblablement être en carbone. Euh, Jusqu'à présent, cette technologie n'était pas complètement mature. Elle n'était pas mature parce qu'il y avait des problèmes sur son imprégnation, sur la nature des fibres, sur l'orientation des fibres, sur l'étuvage et surtout sur le calcul des marges. Tout ceci est en train de s'affiner, donc on aura des structures qui seront de plus en plus légères et efficaces. La difficulté pour le fuselage, c'est qu'il y a les hublots, les portes, les zones, la casquette et les boucliers anti-choc et anti-grêle qui, jusqu'à présent, ont posé, des, ont posé des difficultés. Mais je crois donc que sur les avions du futur, quand on traitera de la technologie, on sera en composite. Le, le, le la composite est une autre, une autre facilité concernant la section. On peut sortir de la section circulaire avec du composite on peut avoir une section légèrement, euh, légèrement elliptique ou ovoïde, euh, ce, ce qui était beaucoup plus difficile avec l'aluminium. Euh, Boeing réfléchit à lancer un nouvel avion, Pierre velé, euh, On en a un petit peu parlé. Selon vous, quel serait euh, le bon produit à vos yeux euh, compte tenu de l'évolution du marché On a parlé de rayon d'action. Est-ce qu'il faudrait bien faire un, un bicouloir Alors, Vous n'êtes pas fan du monocouloir mais... <coughs> Quel serait le bon produit selon vous euh, Dans le temps, j'avais la réputation de quelqu'un qui voulait deux avions pour le prix d'un. Dans le cas présent, euh, c'est très difficile parce que je pense que le problème il, il est le suivant. Le monocouloir, on évoqué tout à l'heure, en augmentant sa capacité, il y a des limites dans son exploitation. On peut l'utiliser dans les activités sur du low cost quand il n'y a pas les mêmes euh, impératifs en matière de temps de demi-tour, de, de conformité aux plages de, de connexion, etc. Euh, donc, euh, quelque part, euh, moi, mon, euh, mon opinion eût été qu'un avion de type, ce que j'appelais le Light Twin Isle à l'époque, c'est-à-dire un avion euh, court moyen courrier à deux couloirs très optimisés qui permettait d'avoir des temps de demi-tour courts et capables de faire jusqu'à 3500 nautiques ou 4000 nautiques, euh, il y avait une justification. L'autre raison, c'est parce qu'en matière d'évolution technologique, il est beaucoup plus aisé de faire de l'up-sizing, c'est-à-dire d'agrandir une technologie plutôt que de la retracir, de faire du downsizing. Donc, le, le Light Twin ou le NMA était une étape de downsizing des technologies composites. Maintenant, du côté du remplacement, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est le remplacement de l'A320 et du 737. Ce sont deux familles qui ont suivi des évolutions différentes. L'A320 le, 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 est, est une famille qui a été conçue dans les années 1970, complètement élaboré dans les années 80, qui a été une success story, une, une très très bonne intégration homogène des technologies. Moi, ça, j'ai toujours été l'avocat de ce genre de choses. Du côté du 737, ils l'ont quand même complètement redessiné au début des années 2000 en le passant sous Katia. Et, euh, et puis, dans les deux cas, euh, ce que je disais dans le temps, c'est qu'il existe un âge limite euh, pour lequel on ne doit plus faire de chirurgie esthétique. Et donc, euh, il serait temps de passer véritablement, alors qu'on appelle ça un game changer, un disrupteur, tout ce que l'on veut. Et là où se pose la difficulté, c'est que, oui, au point de vue fuselage, on sait imaginer un fuselage sous carbone. Oui, euh, au point de vue système, on sait comment faire euh, rentrer des systèmes beaucoup plus performants euh, par les capacités de calcul pour des tas de raisons. Maintenant on se pose une double, une double équation qui est l'adéquation optimale entre l'architecture du moteur et l'énergie et la nature de l'énergie. Et aujourd'hui, euh, la réponse ne nous est pas offerte à court terme. C'est-à-dire que si on veut véritablement avoir un avion moyen cour court moyen courrier, monocouloir en game changer, je ne le vois pas avant une dizaine ou une douzaine d'années, euh, mais sachant répondre à l'ensemble de ces problématiques. M'accrocher même question quel serait le bon produit à vos yeux? Mais euh... Il y a deux produits, effectivement, qui correspondent à, à deux, deux sujets différents. Bon, Pierre vient de parler euh, euh, des, des courts et moyens courriers. Effectivement, le NMA, euh, les 737 et à 320 devront être remplacés. Nouvel avion, nouvelle technologie, toute carbone, un, euh, gros travail sur les temps de demi-tour euh, euh, et, et ce challenge majeur que sera le moteur et l'énergie pour propulser cet avion. Donc, probablement 5 ou 10 ans, peut-être 12. Euh, je rajoute un problème qui se posera sur cet avion, donc le remplaçant du 737 et du 320 ou 321 en cours et moyen courrier. C'est est-ce qu'on le conçoit avec un pilote ou pas Ça, je pense que ça va venir sur la table. Parce que ça fait partie de, des, des enjeux de la technologie, du monde digital, de la sécurité des vols et de l'humain. Et, et donc, un impact majeur sur les coûts. Donc, pour cet avion là, euh, qui, qui aura allez, en gros 4 heures ou 5 heures d'autonomie, ça va être euh, l'équation pour euh, l'avion du long courrier. Je pense, comme tout le monde l'a dit, qu'il y a une espèce de trou à l'entrée de gamme. Quand je dis gamme, attention, c'est pas péjoratif, hein, mais à l'entrée de, de, de la performance long courrier. Donc, l'avion idéal pour moi, c'est un avion à nouveau tout carbone, bien entendu, très intégré, très fiable, probablement à deux pilotes. Mais quand je dis à deux pilotes, ça veut dire pas à trois ou à quatre. Euh, capable de voler sur 6000 nautiques et d'emmener 220, 250 passagers et euh, allez, 10 tonnes, 12 tonnes de fret. Voilà les ordres de grandeur. Euh, cet avion-là, aujourd'hui, alors on a parlé du, du MOM ou de tout ce qu'on veut, probablement qu'il lui faut encore 5 ans. Alors c'est peut-être pas 10-12 ans, lui, mais c'est peut-être au moins 5-6 ans de, de maturation mmh. sur les planches des ingénieurs d'Airbus et de Boeing ou d'un nouveau constructeur avant qu'ils sortent. Vous qui connaissez bien les pilotes, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut basculer à un avion avec un seul pilote Avec un seul pilote oh, Je pense que c'est. Je vais peut-être dire quelque chose de choquant, mais en moyen courrier, en court courrier, euh, la décision est déjà prise. Euh, on sait bien les coûts qu'il y a derrière tout ça. Euh, on sait bien les progrès du monde digital. Euh, et puis on sait bien aussi que euh, on n'arrête pas ce genre d'évolution. Euh, et d'ailleurs. Euh, les pilotes en sont peut être un peu aussi en partie responsables. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on ne voit pas aujourd'hui pourquoi, sur un avion qui fait pour eux de Paris Toulouse, il faut de pilotes dans un avion moderne conçu pour ça. Soyons clairs. Euh, et sur un avion qui va de Paris à, mettons, à Los Angeles, quelle est la raison d'avoir trois équipages dans l'avion, euh, alors qu'on sait qu'il y a sur 10 heures de vol, un seul dans le cockpit, ça suffit largement. Donc deux équipages seront, sera la norme du long courrier de demain. On peut, on peut discuter là-dessus, on peut dire que ça sera dit. Mais de toute façon... Oui, ça sera difficile et délicat. Oui, il faut le faire avec beaucoup d'attention et de concentration. Mais d'abord, il y a beaucoup de projets qui travaillent dessus. Alors, on ne veut pas trop le dire parce que, finalement, faire du social, ça a toujours bon dos. Euh, et puis, cacher les vrais problèmes, ça, c est, c est, il faut, ça demande du courage, qui n'est quand même pas une qualité largement répandue. Euh, mais il euh, y a quelqu'un qui le fera. Quelqu'un le fera dans le monde. Et donc, il faudra bien suivre. Donc, euh, autant être devant. Vous êtes prêt à le faire On y travaille. D'accord. À quel horizon Le moyen courrier euh, monopilote, je pense que c'est 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin c'est moins de 10 ans. Long courrier réduction des compos équipages multiples, euh, moins de 10 ans. Compos équipages systématiques à 2, à 10 ans. Vous me demandez des ordres de grandeur. Je ne suis pas prophète, ni... mais c'est ce qu'on voit se dessiner. Eric Schulz, donc Boeing travaille sur un, un nouvel avion. Euh, entre relancer le, le successeur du 737 MAX et lancer un NMA, un NMA, quelle solution selon vous serait la meilleure Je pense que le gros du problème pour Boeing aujourd'hui, c'est de regarder dans quelle situation ils sont et, et de regarder quels problème ils essayent de résoudre. Le problème fondamental qu'a Boeing aujourd'hui, c'est une érosion de sa part de marché sur l'intégralité des monocouloirs, pas uniquement sur la gamme haute, mais malheureusement pour Boeing, sur la gamme basse aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Airbus dispose très, je dirais, confortablement d'un avantage, d'une part de marché qui est de l'ordre de 70 à 30. 70% de, pour la famille 3.20 euh, neo et, et 3.21 et puis euh, euh, Boeing euh, péniblement, euh, je dirais, essayant de, avec, de recoller au, au, au peloton avec 30% de part de marché. Créer un NMA euh, pour Boeing, c'est une réponse à la 321 neo mais ce n'est pas une réponse sur euh, le, le, je dirais, le, la partie basse du, du, du marché des, des moyens porteurs. Donc de deux choses l'une. Soit Boeing essaye de contrer Airbus euh, uniquement sur le, sur le domaine du 321 NEO, ce qu'ils avaient essayé de faire avec le MAX 10, qui malheureusement pour eux n'a pas le rayon d'action qui va bien. Euh, et ça, c'est une, une des décisions possibles euh, de Boeing. Et donc, on, on, on verrait là une concentration sur le NMA ou remplacement du, du NMA pour aller taper dans la partie haute euh, du, du, euh, du narrow body. Ou alors, Boeing considère que son problème est beaucoup plus vaste que celui-là, parce que je rappelle quand même que le marché du moyen courrier, c'est un marché de plus de 20 000 avions sur les 10-12 années qui viennent. Alors, certes, avec le Covid, on a probablement perdu trois ou quatre mille, ou même peut-être cinq mille avions. Ça représente quand même 15 000 avions sur les douze années qui viennent. Et donc là, Boeing sort un autre problème, qui est en fait de décider du remplacement. Dans ce qu'on appelle le NS1. Il y a eu chez Boeing des discussions. Moi, j'ai participé à l'époque où j'étais chez Rolls à des discussions sur le NMA et sur le NS1. Euh, et, et donc, le, le problème, c'est une question vraiment très difficile. Pourquoi Parce que, premièrement, les motorisations, on oublie quand même un tout petit peu de dire que les motoristes jouent le rôle le plus fondamental dans l'économie de carburant. Alors, certes, on peut mettre des avions avec du carbone certes, on peut faire beaucoup de choses dans l'intégration système certes, certes, mais il n'empêche quand même. Que l'économie en, en termes de fuel burn, elle vient du moteur et tous les avions modernes aujourd'hui ont une technologie moteur euh, récente. Et donc de ce fait-là, euh, je dirais le, 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 le potentiel d'efficacité à venir rapidement euh, du secteur moteur est relativement faible et en, absolument en aucun cas de nature à pouvoir justifier l'investissement le, 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 sur un programme nouveau dernier point et ça explique pourquoi boeing n'est pas encore sorti alors que c'est une très très belle société avec des gens qui ont des capacités gigantesques euh, le dernier point c'est qui va prendre la responsabilité aujourd'hui d'aller sur un design d'un avion nouveau alors qu'on voit bien qu'à échéance de 10 12 peut-être 15 ans on peut avoir une technologie complètement différente qui arrive sur le marché et donc le problème pour boeing ce serait de créer un avion qui viendrait en service dans 7 ou huit ans et qui serait complètement obsolète à échéance de 15 ou de 20 ans. Euh, avec d'autres technologies, on parle de l'hydrogène, on parle de tout ça. Chacun pense ce qu'il veut de toutes ces technologies-là, mais il n'empêche quand même qu'elles sont un risque pour des investissements qui sont majeurs. Quand on investit dans un programme avion, on investit avec une fenêtre de visée de l'ordre de 20 à 25 ans, avec toujours une remotorisation à peu près au milieu. Et là, dans le cas présent, investir à 20 ou 25 ans dans un avion nouveau maintenant, ça veut dire avoir une visibilité sur 2045. Or, en 2045, aujourd'hui, en termes de technologie, bien malin qui peut dire quelle sera la technologie en place une Dernière question, en fait, un peu plus sur euh, d'actualité. On a vu United euh, relancer un projet, un vague projet euh, de supersonique. Qu'est-ce que vous en pensez Alors Pierre Velay, ensuite Marc Rocher et Eric Schulz, ça sera le, le mot de la fin. Alors, est-ce que vous y croyez vraiment alors, il se trouve que, par hasard, il y a deux ans, j'ai eu l'occasion de, de mettre mon nez sur le projet de Boom pour me rendre compte de, de toutes les bonnes idées qu'avaient ces gens là, des capitaux qu'ils avaient levés et de la sous-estimation considérable de la difficulté de faire un avion de cette nature. Euh, depuis euh, depuis le début de la matinée, euh, comme depuis un an ou depuis deux ans, on ne cesse on ne cesse d'évoquer les problèmes d'écologie, d'empreinte carbone, euh, de, de tirer sur euh, tous ces gens risés qui prennent les avions en classe avant. Euh, je pense que l'hypersonique ou le supersonique rentre dans cette catégorie-là. Donc, arrive à mobiliser des investisseurs aujourd'hui euh, avec un, un risque de de, de cash euh, sans retour hein, dans toute la phase de développement me, me paraît très très improbable. Alors peut-être qu'on aura un autre euh, investisseur de type SpaceX qui voudra faire quelque chose comme ça, avec le même genre de clientèle que ceux qui paient 28 millions de dollars pour s'envoyer trois minutes dans l'espace, mais ça ne fait pas une industrie. Donc euh, on a vu ce qu'avait été le, le Concorde. Il est étrange de voir qu'après l'arrêt du Concorde, Maintenant, le, le, les passagers ou une tranche de passagers ne peuvent plus voler en supersonique. Donc, quelque part, on a rétrogradé technologiquement. Mais euh, ceci s'est fait au prix d'améliorations gigantesques en matière euh, d'efficacité énergétique des avions. Euh, je rappelle quand même qu'un avion est énergétiquement et cinétiquement 200 fois plus efficace qu'une voiture. Donc, ceci, il faut le garder à l'esprit. M'accrocher. Moi, je crois que Pierre a en grande partie répondu. Ça ne correspond pas à une réalité économique. Ça correspond à des besoins d'investissement, de recherche et tout absolument colossaux et hors de portée de toute activité économique de transporteur aérien. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un ou deux. D'ailleurs, les militaires en font bien. Donc, il n'y a pas de raison que le civil ne soit pas capable d'en faire un ou deux. Ça n'a pas. En tout cas, l'horizon que nous voyons, ça n'a pas de sens. Et en plus, avec un impact environnemental extrêmement discutable. Je pense que la seule option envisageable, c'est de sortir de l'atmosphère, euh, parce que là, une fois qu'on est à 110 km de la Terre, on ne consomme plus rien et on ne fait pas de bruit euh, et on va très vite. Euh, sauf que pour sortir de l'atmosphère, euh, pour envoyer une tonne, il faut en mettre 300 tonnes en dessous. Donc, ça, ça limite l'équation. Alors, peut-être que demain, on trouvera quelque chose de nouveau totalement. Mais à mon avis, c'est vraiment pas. C'est même pas pour la génération qui nous suit. Je crois que c'est pour deux ou trois générations après nous. Donc, on ne sera plus là pour regarder. Eric Schultz, sachant que c'est quand même une très grande compagnie une, qui, qui donne de l'âge. Généralement, quand même, c'est une grosse major américaine qui a, qui a commandé. Comment vous voyez cette annonce donc oui, moi j'ai je suis toujours un peu sceptique sur, euh, sur le développement supersonique. Je pense qu'on a montré la difficulté. J'entends parler aujourd'hui euh, les gens qui défendent le projet en disant oui mais c'est un projet euh, qui pourrait tourner au biofuel pour éviter l'empreinte carbone, etc. Enfin l'empreinte CO2. Oui, certes, mais, mais un A350, un A350 de marque peut parfaitement fonctionner au biofuel. Donc, si on a du biofuel disponible, euh, le gros problème aujourd'hui, c'est justement la disponibilité du biofuel à un prix qui soit un prix acceptable par le marché. C'est pas de savoir si on vole en supersonique ou pas. Moi, je suis très réservé sur, sur ça. Je pense que ça fait partie des rêves euh, d'aller très, très, très vite. Euh, je pense pas que ce soit très réaliste et en tout, en tout état de cause devant les challenges que nous avons. Euh, la, je parle de l'industrie aéronautique tout entière euh, devant aujourd'hui euh, clairement euh, le besoin de nous renouveler, d'améliorer notre image sur la partie euh, euh, carburant et sur la partie euh, euh, finalement ce que l'empreinte sur la planète. Je pense que ça va aux antipodes de, de la direction euh, qui, de, qui devrait être prise par notre, notre industrie. Donc moi je n'y crois pas euh, très favorable. Je ne suis pas très favorable et je ne vois pas ça d'un œil très positif. Bon, maintenant c'est vrai que United a, a, a décidé. Maintenant, je connais pas exactement la teneur. Je voudrais bien savoir exactement quel risque United a réellement pris. Euh, probablement très peu. Il euh, y a plein de compagnies aériennes qui s'associent à des euh, sociétés de compagnie taxi euh, de taxi volants. Bon, c'est pareil. On n'est pas sûr que tout ça, ça arrivera au bout du compte avec un réel produit, avec un réel euh, business case. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui font euh, qui font que l'aviation reste un domaine. Ça prouve que l'aviation reste un domaine qui fait rêver. C'est bien. Très bien, écoutez, c'était le mot de la fin. Merci infiniment tous les trois Merci. et à très bientôt. Au revoir.